何があっても出てきてはダメだ。バジルを探してくる。必ず戻るから。そんな顔しないで。いい、よく聞いて。あなたなら大丈夫。頑張れるわよね。私が戻らなかったら逃げるのよ。一人でいいわね。逃げたら名前を変えて別人として生きていきなさい。新しい人生を始めるの。バージル、バージル、どこにいるの。串刺しにされるかと思ったぜ。目を覚ましそうになかったからな。少し強引に起こしただけだ。今何日だ。6月15日ひと月。体がバキバキだ。急げよおっさん。今頃多分ネロの小僧が一人でユリゼンの元に向かってる頃だね。よあいつごときの力じゃ。おい、俺の仕事だ。ネロを巻き込むな。お前がユリゼンを倒せれば俺だってあの小僧に頼りはしなかった。だがユリゼンは、奴の力は想像を超えていた。何これ、嫌な匂いね。そりゃそうだ。ゴミためみてえな場所さ。これほどの力だとは。ビビったんならやめときな。お前の手に負える相手じゃねえしな。そうだな。あとは任せよう。あ、え、ちょっと待てって。おいおい、なあブイちゃんよ、ここまで来たってのにマジで逃げんのか。おい、保険を用意しておいた方が良さそうだ。何よあれ、あっさり逃げたわね。気にすんな、行くぞ。ゴミを片付けないとな。獲物は早い者勝ちでいいのね。当然でしょ、急いでね。だって確かめさせてもらうぜ。本当にお前なのか。Ok, ok, et Yomina Cédri. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Devil May Cry 4. Et de ce combat, on va pouvoir enfin jouer Dante. Yeah! Enfin, l'alternatif, on va pas le prendre. On va prendre le normal. Et j'ai trop trop hâte. Personnage Dante. Et bah, allons-y, on y va comme ça. Ah, franchement, Dante a un gameplay toujours le même depuis, mais qui est propre, du style, ben voilà quoi. Il peut se mettre en Royal Guard, voilà, il a 4 modes différents. Changer d'arme, L2 ou R2. Qui permet de changer d'arme, et on peut en fait changer d'arme à n'importe quel moment. Donc, comme vous voyez,
soit son épée ou soit autre chose. Et l'autre, c'est soit il prend un fusil à pompe ou ses deux flingues. Et là, c'est soit son épée ou du cac. Donc, enfin, du cac, vraiment coup, style coup de poing, coup de pied. Ok. Ok, je suis chaud, je suis chaud. Allez, on y va, on y va. Allez. On va commencer à dégommer des gueules. Ok. Action de style. Avec haut, bas, gauche et droite, on change de style. Ok, d'accord. Donc on a le Twixter, qui est le haut. Gauche, c'est le Gunslinger. Droite, c'est le Swordmaster. Et bas, c'est Royal Guard. Ouais, c'est ça, Royal Guard. Ok. Vas-y, touche-moi. Et tape. Et tape, abruti. Voilà, bien. Swordmaster. Ok. Il y a encore du menu fruitin. Ok, et ça c'est vraiment style cac. Vraiment coup de poing, coup de pied. Ouais. Ok. C'est vraiment classe. Dante a vraiment un style à lui-même. Et c'est ce qui rend le perso vraiment, vraiment, vraiment cool. Swordmaster. Twixter, ouais, c'est les dash logiquement. Ouais, c'est ça. C'est les dash rapides. Ok. Swordmaster, ben c'est l'arme. Royal Guard, c'est la défense. Et Gunslinger, comme ça, là, c'est les flingues. Ok, on peut se mettre dans une sorte de démon en appuyant sur la touche pour se transformer. Oh, il est beau gosse. Bon, allez, vas-y, on stoppe la transformation et on y go. Mais c'est très bon, ça va. Allez. On va faire gaffe, mais on y va encore à corps. Allez, toi tu bouffes ça. Doucement, il y en aura pour tout le monde. Allez, toi on t'éjecte. Toi, voilà. On est tellement rapide en mode Twixter Master. Voilà, nickel. Allez, suivant. Il m'a fait. Ah, il m'aime pas lui. Je voudrais tester la Royal Guard sur toi. Laisse-toi faire quand même. Ah, c'est. Ah, il est pas gentil. Il est pas gentil. Non, non, franchement, les adversaires sont pas fair-play. Ouais, j'aime pas ça. Moi, personnellement. Moi, personnellement, je reporte. Hein. No fair-play.
C'est par où qu'il faut passer? Non. Ah! C'est là-bas. Allez, on y go, on y go, on y go, on y go. Ok. Oh, bien. Mais non, j'y peux pas. M'intéresse pas. Oh, magnifique le chaos. Attends, on va essayer de le de Royal Guard. Oh! Oh, c'était beau ce que je viens de faire. Ah, mais je m'aime. C'était magnifique. C'est simpliste et magnifique. Allez. Juste le bon timing. Il n'y en a pas d'autres là? Essayez de tenter de faire un Royal Guard. Ah, si. Ça n'a pas marché, faut recommencer. Yeah! Bien! Il s'est fait défoncer à la gueule. Non mais oh. Qu'est-ce que t'as le démon là à gueuler? Enfin à parler. Non mais oh. Alors ouais, faut s'habituer à bien faire le Royal Guard. Et ça passera crème. Ah d'accord, faut se dépêcher à tuer les gens, à tuer les monstres. Wow, on l'a déjà tué? Oh, je sais pas pourquoi j'ai sauté alors qu'il faut pas sauter. Plutôt les esquiver, j'aurais de vrai. Ouais. J'ai remarqué dans les FDB McCry, même dans le 4, les pompes sont énormément efficaces contre les spectres. Hein. Sans dire de conneries. Hein. Le fusil à pompe contre les monstres spectres dans DB McCry 4 sont énormément efficaces. Pas des conneries. Voilà, un petit salvage. Oh, double SS. Ah, je me kiffe. On est déjà passé par là. Faut pas que ça se referme. Oh, ça c'est un max de démonites rouges. Mais vas-y, dans les 400 000 démonites rouges, c'est ouf. Allez, on est chaud bouillant, nous. Toi, je t'ai vu l'ennemi, t'inquiète, mais je vais récupérer mes démonites avant. Maintenant, on peut s'occuper de toi. Le Royal Guard, de toute façon, je suis désolé de dire ça, mais le Royal Guard, c'est vraiment le style le plus pété
du jeu et du gameplay de Dante. Tu peux contrer tout ce que tu veux. Et lui est en train de se prendre des roustes, mais d'une puissance. Alors ensuite... Ok, donc ça, ça dégage. On est d'accord. Là, il y a une porte qui peut se refermer. Mais en même temps, voilà, il va y avoir des ennemis, donc c'est obligé. Ok. Ça, c'est des riots, ça. Donc, on va faire gaffe aux riots. Ce qui peut faire mal. Bah voilà. Au pire on se transformera s'il faut. Se transformer nous donne de la puissance. Mais en plus nous redonne des vies. Allez dégage. Suivant. Prêt à débonder. Faucheuse, ok. Oh! La tempête que je viens de faire là. Allez, on se transforme. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Oh, eh, hey, vous faites des dégâts ces bandes de cons. Aïe. Eh, hey, mais vous faites mal, bande de salopio. C'est abusé. On va essayer de remplir notre jauge, voilà. Pour regagner des vies. Un petit peu de vie surtout, on va dire. Allez, toi je vais t'enchaîner comme jamais. Voilà. Allez. Aïe. Ok. Donc là, non, dégagez. On va y aller à l'épée. Plus intéressant. Voilà, toi t'es mort. Maintenant, il reste plus que toi, je peux t'enchaîner. Enfin, quand t'as fini de te déchaîner. Voilà. C'était nice to nice tout ça. Franchement, rien à dire. On va faire gaffe. Non, y'a t'es là, non, car. Qui a haï, on a demandé. Tu m'étonnes qu'elles n'ont pas traîné, mon coco. Tu te fais vieux, Dante, hein. Elle est encore toute jeune, hein. Allez, histoire de se régénérer un peu de vie. Ça peut toujours ne pas faire. Ça peut toujours faire du bien. Voilà, je savais que t'allais me foncer dessus, toi. Ça va falloir que je te chope ma grosse. Vas-y, vas-y, remets-toi comme ça. Allez, regarde-moi ces counters. Et ouais. Allez. Wow, en mode Toupie Beyblade et tout.
C'est trop bien. Franchement, le style de Dante, c'est vraiment... C'est El Fuego. Toi, ton bouclier est bientôt pété, toi. Il est même bientôt mort, de toute façon, son bouclier ne servira à rien. Voilà. Ensuite, suivant. Bientôt les mecs. Allez. Je veux de la motivation moi ici. Il va falloir que je les arrête. Voilà. Toi, est-ce que tu peux encore te mettre en roulade? Allez, je vais faire un compteur. Eh, viens rouler sur moi. Et je t'attends, ma biche. Allez, tu fais désirer, hein. Yeah. Je l'ai contré, mais l'autre, il m'a tapé derrière. Mais j'y arrive mieux avec les compteurs. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Toi, tu meurs, c'est bon. Allez. Et toi, t'es mort. Eh ben, nickel, nickel, ça, tout ça. Ah, franchement, mine de rien, quand vous avez le gameplay de Dante en main, il y a beaucoup de combos possibles. Une multitude de combos possibles. Voilà, on a dépassé les 400 000 démonites rouges. C'est hyper cool. Là, ça sent le combat. Oh yes, ceux-là ils craignent pas les balles. Ça c'est bien ça, à savoir. Nickel. Allez, 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 allez. Allez, nickel, nickel, tout ça. Allez, toi là-bas, il y a une montre religieuse, donc elle. Les montres religieuses sont un peu plus casse-couilles à tuer. Mais avec Dante, ça devrait être faisable. Faut juste bien faire gaffe. Là, va nous sauter dessus. Non, elle s'est préparée. Là, saute dessus. Voilà. Bon, j'ai activé mon compteur, mais ça sert à rien. Ah merde, il faut faire deux fois le contre. Elle tape avec ses deux bras. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, nous saute dessus, on esquive et on tape. Voilà. Oula, je suis resté à côté d'elle, la fallait pas. Voilà, allez, viens sur moi. Allez, saute-moi dessus, je sais que t'es capable. Je sais que t'es pas capable, que t'as envie de moi, saute-moi dessus. Voilà. Je sais que t'en es capable, t'inquiète. Je
Et voilà, c'est liquidé. Allons-y. C'est là-bas, là-haut. Oh, on commence à s'approcher de la fin. Ça se sent. Ça se ressent. Tu vois que... qu'on commence à être au sommet. Mais c'est pas pareil que Nero qui doit utiliser des ascenseurs. Là, on doit pas utiliser d'ascenseur, là. Oula, c'est quoi ça? D'accord, des sortes de petites carapaces ou je ne sais pas quoi. Qui qui ne restent pas en place en fait. Qui se lèvent, qui s'enlèvent et etc. En même temps, en force de sauter, ça débloque un trophée. Plus on saute à une certaine... je sais pas combien de hauteur au maximum et ça donne un trophée. Je crois que le trophée c'est je peux essayer de voler ou je pense pouvoir voler ou je peux voler. C'est à force de vouloir sauter comme si on croirait qu'on veut voler. Et ça fait un trophée. Ah, Feyesh. On dirait qu'ils ont des dents ces trucs. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Ah, il y a de la démonite rouge et il y a une démonite jaune, on dirait. Une démonite d'or. Ah, mais j'ai appuyé sur sauter. En même temps, je vous ai dit, ça débloquera peut-être mon trophée plus tard, donc... Ah merde, je me suis chié. Ah, sa mère. Ouais, la démonite en or, on va pas la prendre, on s'en bat les steaks complets. Elle ne sert à rien. Ah, je crois que je peux voler. Ah bah voilà, le trophée que je vous disais. Faut faire une certaine... Faut sauter plusieurs fois jusqu'à temps que ça fasse au total une certaine hauteur. Et ça comptabilise. Bah je vous l'avais dit. Bah voilà. D'avoir un combat, c'est obligatoire. Une grande zone comme ça n'est pas fait pour, n'est pas là pour faire joli. Ok, un proto-angelo. Avec ses coéquipiers. Alors, si on joue bien, il nous ferait pas mal. Parce qu'on sait ses comportements. Ouais, mais ça, je m'en fous de me prendre des dégâts pour l'instant. Voilà, je peux faire ça. Voilà, allez, toi tu meurs. Allez, à ton tour maintenant. Ils sont moins coriaces que les chevaliers dans Devil May Cry 4 qui ont un bouclier qui ils s'y ressemblent un peu. Mais ils sont moins costauds, je trouve. Voilà, il reste un chevalier, laisse-moi passer s'il te plaît, merci. Le mec il s'en bat les couilles du proto Angelo, il passe à côté. En mode limite je te pisse dessus quoi. Voilà. Plus que toi le chef. Oh, ça a passé à travers on dirait, pourtant je l'ai activé. Bon bah. Allez, tu vas bouffer ma... Tu vas bouffer mon attaque, hein. Fais gaffe, je crois que son épée peut toucher par derrière avec sa grande lame. Quand il tape. Je crois que ça tape aussi derrière. Donc on va faire très attention.
Là, on les fait très mal, donc on va en profiter. Logiquement, il est bientôt mort. Là, si on lui remet un coup, c'est fini pour lui. Voilà, allez, dégage. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on est beau gosse. Allons-y. Logiquement, on peut passer par là-bas. Ouais, déjà, s'il y a ça et ça, ça veut dire... Prépare ton cul, il y a un boss. Un boss qu'on ne pourra pas battre actuellement parce que on sait que Dante se fait battre à plat de couture. Donc c'est pas pour rien. Ouais d'accord, il nous donne un max de choses. Ça veut dire prépare-toi au combat. Car tu vas morfler ta mère. Allez, let's go. En plus, là, je suis désolé de dire que je pensais que pour moi, c'était que le démon, c'était Vergil, celui qui est sur le trône, celui qui prend le bras. Déjà, celui qui prend le bras de Nero et qui dit, je reprends ceci, je reprends ça. Ça, c'était parce qu'à la base, c'était Yamato qui appartenait à Vergil. Et en plus, là, il dit qu'il connaît qu'une personne capable de les vaincre. Et bizarrement, quand il dit jackpot, il dit Dante, le démon. Et jackpot, c'est une des répliques, je crois, qui est utilisée par Dante et par Vergil. Donc encore plus de chances que je pense que c'est ces deux-là. C'est bien Vergil. Ouais, donc non, je suis désolé de dire ça, mais moi j'ai beaucoup de suppositions que Vergil est là, obligé, et que c'est lui. Voilà, bon, en tout cas, franchement, cet épisode était hyper cool. Comme vous avez vu, on a pu voir le gameplay d'Antoine qui est juste un truc de taré. J'espère que cet épisode vous aura plu, les amis, et j'ai hâte de voir la suite, mais un truc de fou. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner, je vous dis à très bientôt, et à la prochaine. Ciao, Mina.